Le mémorandum d'entente que nous allons signer aujourd'hui va certainement renforcer davantage l'alliance, la coopération existante entre les deux organisations CER et va permettre à nos deux organisations de travailler main dans la main pour améliorer la sécurité alimentaire de la population de la deux régions et aussi travailler pour un développement durable et le bien-être pour la population de la deux régions. Le gouvernement de la Corne d'Afrique. Cette signature de protocole concrétise la volonté commune de nos deux institutions de développer la coopération Sud-Sud dans nos efforts communs de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos régions respectives. Il s'agit pour nos deux institutions de s'enrichir mutuellement en partageant nos expériences, nos success stories et aussi nos difficultés pour en tirer les leçons nécessaires, car nous avons les mêmes préoccupations de développement dans un environnement peu favorable caractérisé par le changement climatique. Nous mettrons tout en œuvre, en tout cas pour assurer l'opérationnalisation le plus tôt possible de ces deux programmes. Et vous pouvez compter sur nous au niveau du bureau régional, avec nos collègues du siège et nos collègues de Ouagadougou, pour mettre à votre disposition toutes les ressources en termes de capacité que vous nécessiterez pour la mise en œuvre de ces deux TCP.